Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance. Allons-y, signe du scorpion. Qui est ici? Qui souhaite me laisser entrer et visiter son espace intérieur, son univers de scorpion? Allons-y avec celle-ci. Le plaisir. Masturbation. Contrainte. Contrainte. Qu'est-ce qui se passe ici? L'union, la relation, l'engagement, le mariage. Je vais déposer une carte sur elle. Scorpion, le hasard, prendre une chance. On dirait qu'on me parle d'une aventure. Saisir une occasion. Étant donné que j'ai le mot contrainte, je pense qu'on me parle de... Oups, je pense qu'il n'y a plus de désir en une certaine relation, en cette relation, et ici, on me présente le goût de dire oui à une certaine occasion. On a le goût d'avoir du plaisir avec une certaine personne, une autre personne. Ici, c'est éteint. La flamme est éteinte. Allons-y. Ici, on me présente le bon monsieur. Le bon monsieur qui peut représenter un homme d'affaires, un travailleur autonome, une personne à son compte, une personne... On peut me parler, c'est l'énergie du patron aussi, à vous de voir. Une personne en situation d'autorité. Donc là, on veut me dire quoi? Donc il y a un inconfort là, ici avec le mot contrainte. Je vais piger une autre carte. Ici, passion éteinte, flamme éteinte. Allons-y. Scorpion, espoir. On garde espoir, d'après moi. On espère cette personne-là ici. Je vais piger une carte rose. Scorpion. La lune de miel. Passer du moment agréable, des moments agréables ensemble. Bien, je pense ici qu'on me parle d'une rencontre, une aventure, une occasion que l'on souhaite saisir avec une certaine personne ici. Bon, le masculin qu'on me présente. Une personne en situation d'autorité. On a le goût ici du plaisir avec cette personne. Parce qu'ici, la flamme est éteinte. Dans le couple, dans l'union. Scorpion, allons-y. Oui, l'entre-deux. Donc oui, on peut me parler d'infidélité. La pression de l'entre-deux, l'inconfort de l'entre-deux. Et ici, nouveau commencement. On a le goût de faire un pas. De dire oui à... Prendre une chance avec cette personne-là ici.
À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Donc, je rencontre une personne ici. Ça ne va pas dans sa relation. Il n'y a plus de désir. La flamme est éteinte. Et on a le goût de saisir une occasion ici. Il y a douceur, il y a... On garde espoir concernant cette personne, cette relation. Le goût de partager un moment agréable avec cette personne. Du plaisir avec cette personne. Oui, l'entre-deux. Qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, le doute, l'indécision, donc la contrainte vient de l'inconfort ici, du doute, de l'indécision, difficulté à faire un choix. Donc, les désirs sont ici. Qu'est-ce qu'on fait? Nouveau commencement, repartir à zéro. On le sait ici qu'il y a une relation qui est terminée. Bien qu'il n'y a plus de désir pour l'autre, à vous de voir. Donc, c'est une relation. Je ne sais pas s'il y a un engagement, mariage, mais c'est une relation, union. La flamme est éteinte et on a le goût d'aller vers l'autre. Ici, on nous parle de quoi? De réussite. Donc ici, la malhonnêteté, bien, je pense qu'on a juste le goût, là, en ce moment, d'être infidèle. Donc, c'est pour ça qu'on me parle du masque, de la malhonnêteté. On regarde ailleurs, tout simplement. Allons-y avec une autre carte, par curiosité. Puis là, ici, on me parle de la fin. Donc là, il y a une relation, d'après moi, qui va prendre une autre orientation. C'est la carte qui peut exprimer une séparation. Donc, on va probablement prendre une décision ici. On a le goût d'aller de l'avant. On est attiré ici. C'est comme si on reprenait espoir. Le goût de revivre auprès de cette personne, d'avoir du plaisir, partager des moments agréables. C'est comme si on se remettait à rêver. Un goût de jouer. Un goût de prendre une chance, d'aller voir ce qu'il y a là. C'est le goût de l'aventure, on dirait ici, là, que je ressens. Et de douceur. La carte de l'espoir. Donc ici... On me parle de la fin. D'après moi, on va se démasquer dans le sens d'être fidèle à soi et on va prendre une décision ici avec la carte de la transformation. Et ici, c'est un changement significatif, un nouveau début, un nouveau départ. Oui, et ici, changement important, un premier pas vers... Ici, c'est une carte de réussite. J'ai le goût de m'accomplir. J'ai le goût de réussir, de repartir à zéro. Donc, je vais sortir du doute, de l'indécision. Je n'ai plus besoin de me cacher ici. On dirait que j'ai pris ma décision de terminer une relation à laquelle je ne suis pas bien. Insatisfaite, insatisfait, à vous de voir. Je me sens éteinte en cette relation ici. Il n'y a plus rien. Je ne suis plus stimulée avec la passion à l'envers. Il n'y a plus rien. Bien là, c'est ce qu'on me présente. Je vais piger une carte, une autre carte rose ici. Attendez. Oui, une carte rose. On garde espoir. Attendez. On a le goût de protéger cette relation. Là, ici, on dirait qu'il est question de temps, du timing.
Une question de timing. Ok, attendez, je vais piger une autre carte. Et on me présente le masculin, l'homme riche. Masculin, qui est ce masculin? Le masculin qui garde espoir. Spécial, ici on dirait que... Coudonc, on dirait que j'en rencontre deux. Un plus jeune, l'autre plus vieux. Ici, d'après moi, ça s'éteint. Je vais regarder pour ici. À moins qu'on me parle d'une personne à son compte. Semble être jeune. Une personne en affaires qui semble être jeune. Attendez. Ici, la bonne dame. On espère la bonne dame. La femme de cœur. Ici, la vie. Attendez. On dirait qu'on est en train de reprendre goût à la vie. C'est un masculin qui est en train de reprendre goût à la vie. Le goût de jouer, de s'amuser, d'avoir du plaisir. La lune de miel. Je rêve de la lune de miel. Je veux saisir cette occasion, j'ai le goût de dire oui, de prendre une chance. On a le goût ici d'être avec l'autre. Donc ici, on peut me parler d'un lien. Et c'est un beau lien, beaucoup de douceur ici. Le prendre soin. C'est un masculin qui aime prendre soin de l'autre. Je vais déposer une carte sur celle-ci juste pour avoir un peu de détails. À la maison. Être chez soi. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de rencontrer deux. Attendez, en dessous du paquet, j'ai celle-ci. On dirait que la femme se détourne de celui-ci. On dirait qu'il y a un choix entre deux. Ici, elle laisse un passé. On dirait que c'est le plus âgé ici, qui est établi, qui a sa sécurité. Ici, elle se détourne, elle s'en va, elle poursuit sa route. Ici, on dirait que c'est le plus jeune. Le prendre soin. Prendre soin, la nature, la vie, la douceur. Ici, tout est là. La lune de miel. Eh bien, d'après moi, il va y avoir des décisions à prendre ici. Il y a de l'indécision, du doute, et à la fois, je pense qu'on veut être fidèle là, à soi. Donc, on a commencé comme ça avec ces deux cartes. C'est une femme ici. On dirait qu'il va avoir un choix à faire. Ici, il n'y a plus rien. Coudonc, on dirait qu'il y a plusieurs possibilités. Des rencontres. On dirait que c'est une personne qui fait beaucoup de rencontres et qui va avoir un choix.
une personne qui va mettre fin ici à l'indécision, au doute. Une personne qui veut être vraie, qui veut être fidèle à elle-même. Elle veut s'accomplir. Et ça demande d'ici de mettre fin à l'infidélité envers elle-même. De se choisir. Elle a peur de se tromper. Cette personne, elle a peur de se tromper. Donc ici, on dirait qu'il y a... Il y a plusieurs masculins. Ici, on se détourne. Ici, c'est celui qui aime prendre soin. Le cœur est présent. Celui-ci est établi. Ici, il n'y a plus de passion. Ça s'éteint. Je vais déposer une carte sur la transformation. Chez soi. On dirait qu'on est en deuil. C'est l'énergie du deuil. Donc, d'après moi, on est en train de faire un ménage. Un ménage chez soi, dans notre maison intérieure. Ici, on veut repartir à zéro. Donc oui, ça demande de laisser derrière soi, s'ouvrir à l'inconnu. C'est la carte qui me parle de s'ouvrir au changement. Nouveau début, nouveau départ. On ose, on est prêt. Elle est prête à oser. Et j'ai la carte ici des facteurs religieux, de nos valeurs, nos croyances qui viennent influencer le choix amoureux. Donc, c'est un choix ici. Je veux m'engager avec qui? Envers moi-même, envers mes valeurs, mes croyances, mes principes. Et on me parle d'engagement. D'engagement envers soi. Et là, bien, c'est une femme qui a un choix à faire. Quelle est sa préférence? On a du choix. Elle a du choix. Beaucoup de possibilités. Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive maintenant. C'est une personne qui a tout de même peur de se tromper, peur de l'engagement. Allons-y avec une carte. L'automne. Donc ici, on est en train de me parler de détachement, de dépouillement. Voyons, j'ai un chat là dans la gorge. Attendez un peu. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Allons-y! Je pense que je vais être obligée de vous mettre en pause, là, si ça continue. OK. Détachement, vent, fraîcheur et dépouillement. On nous dit quoi? L'automne annonce souvent une période de lâcher prise, alors que nous disons adieu au mois d'été et que nous nous préparons pour l'hiver qui approche. Nous abandonnons quelque chose, mais ce détachement amène un vent de fraîcheur dans notre vie. Donc, on dirait qu'on est en train de faire un ménage. Cela reviendra vers nous. Nous ne lâchons pas prise pour toujours. Cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez aux choses de changer. Laissez s'envoler les moments vécus, mais conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours. Alors voilà, je pense que cette personne est en train de prendre des décisions en ce moment. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine!